Alors, deuxième démonstration, pour aujourd'hui, il fallait démontrer que la fonction carré, que ici j'ai appelée f, est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc elle est croissante. On se remémore le cours, on réactive. On sait que quand il y a croissance, l'ordre est conservé. Croissance, conservée. Donc on va se prendre deux valeurs, comme on avait fait. Par exemple, une valeur ici, U et V. Donc deux valeurs, soit U et V positifs, puisqu'on travaille dans cet intervalle-là, et U, pardon, c'est U est inférieur ou égal à petit v. On en déduit à ce moment-là que U moins V est inférieur à 0. Ça peut-être que tu l'as écrit un peu plus tard dans ta rédaction. Nous, donc l'ordre, il veut ça. Maintenant, on va s'intéresser à f de U et f de V. F de U égale U carré. F de V égale V carré, puisque c'est la fonction carré. D'où F de U moins F de V égale U carré moins V carré égale U plus V facteur de U moins V. Ça, c'est les identités remarquables, c'est un peu pareil que la démonstration précédente, évidemment. Ceci, U plus V étant deux nombres positifs, quand on additionne deux nombres positifs, ils sont positifs ou nuls. Ensuite, le signe de U moins V. Ben, U moins V, tiens, on l'a ici. Ça va un peu plus vite, c'est pour ça que je l'ai écrit dès cette étape-ci. U moins V est négatif. Quand on multiplie quelque chose de positif par quelque chose de négatif, on l'a déjà vu dans une autre séquence, à ce moment-là, l'ensemble est négatif. Là, c'est peut-être coupé au niveau de la vidéo, j'espère pas, c'est inférieur ou égal à 0. Comme, je vais le réécrire ici, f de u moins f de v est inférieur ou égal à 0, à ce moment-là, si on ajoute f de v dans les deux membres, on a f de u qui est inférieur à f de v. Et si on regarde là, on a un certain ordre. Et ici, on a le même ordre. U inférieur ou égal à V, l'image de U, qui est F de U, est aussi inférieure à F de V, qui est l'image de V. L'ordre est conservé, donc il y a bien croissance. Point. L'ordre est conservé. Donc, f est bien croissante, toujours sur un intervalle précis, donc sur 0 plus l'infini. Voilà pour la démonstration.